tuer, mais notre bon dans la surface de réparation, c'est toujours un danger. Yaya Touré ! Oh, Yaya Touré ! Sous le feu des critiques, le capitaine ivoirien, il répond. Après 21 minutes, une frappe splendide. Robert Kidiaba n'a même pas pu lever les mains. Cette frappe d'une pureté impensable. Regardez, déjà il y a une erreur de Kimouaki de laisser se retourner Wilfried Bony. Mais quelle puissance, quel équilibre dans cette frappe. Regardez ça. Le pied d'appui est bien placé. Coup de pied. Dieu merci Mbokani. C'est magnifiquement frappé de la part de Dieu merci Mbokani. Côte d'Ivoire parfaitement parti. C'est sans compter sur l'esprit de révolte des Congolais, un but partout. Il ouvre le pied et là on voit la main de Bailly qui est indiscutable. Il est gêné au duel aérien avec Bokila. Et là on voit le calme de Bo, il sait déjà où il va la mettre, intérieur du pied. Et Bo ne peut rien. Gervinho. Bon, Bailly va nous refaire le coup de l'Algérie. Il a monté pour donner à Serge Aurier. Gervinho s'est sauvé sur sa ligne. Incroyable occasion. Et on voit la qualité de Gervinho qui dans les airs se retient, les abdominaux bien tendus pour que ce ballon puisse tranquillement filer dans les buts. Et sans ce retour de Zakwani, il y aurait eu... Ils font quelques erreurs aussi, comme ici, c'est en bon coup à jouer avec Wilfried Bony à Gervinho. Il l'a vu, Gervinho, plein du pied, Gervinho, ça fait 2-0, ça fait 2-1. Ça fait 2-1 sur cette perte de balle au milieu de terrain. Il y en avait une tout à l'heure côté ivoirien. Ils s'en sont bien sortis, ils capitalisent chacune des opportunités qui leur sont offertes. Les hommes d'Hervé Renard, Gervinho qui donne ce but clairement à la Côte d'Ivoire, même s'il y avait eu une alerte, une grosse alerte juste avant sur le but de Kidiaba avec ce sauvetage de Zakwani. La reprise de Wilfried Canon comme un symbole. La jeunesse, oh il ne s'y trompe pas, il va voir tout le banc, il va voir Hervé Renard qui lui a fait confiance, il est tout jeune Wilfried Canon, il va voir Patrice Baumel également. Coup pour premier poteau, ce corner encore très très bien tiré par Yaya Touré, et Canon qui est plus prompt dans la surface de réparation. Voilà, ce ballon est relâché par, on va dire dégagé par Kidiaba, et lui il est en embuscade. Mais voilà, la tête encore de Serge Aurier qui était omniprésent sur tous les coups de pied arrêtés offensifs de la Côte d'Ivoire.